Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on veut calculer l'expression 3 à la puissance 4,5 fois 2 à la puissance 2,5 sur 6 à la puissance 3,5 à quoi est égal? Est-ce que réponse A 2, réponse B 3, réponse C 2 tiers, réponse C 3 demi? Commençons par l'expression. La première idée qui nous vient dans la tête, on va décomposer 6 puisque 6 est écrit 3 fois 2. Donc, puisque 6 est égal à 3 fois 2, donc on va remplacer ici la base de la puissance qui se trouve en bas par 3 fois 2 et on obtient 3 à la puissance 4,5 fois 2 à la puissance 2,5 sur 3 fois 2 à la puissance 3,5. En utilisant la propriété suivante, a fois b le tout à la puissance n est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n, on va décomposer et créer cette puissance sous forme de produit. Donc on trouve en bas 3 à la puissance 3,5 fois 2 à la puissance 3,5. Ici on a 4 puissances. Et bien sûr, on a deux puissances de même base, 3, 3, 2, 2. On va écrire ce rapport-là sous forme d'un produit. Le premier, c'est 3 à la puissance 4,5 sur 3 à la puissance 3,5, fois le deuxième qui est 2 à la puissance 2,5 sur 2 à la puissance 3,5. Et après, puisque on a un rapport de deux puissances de même base, on va utiliser la propriété a à la puissance n sur a à la puissance m est égal à a à la puissance n moins m. Donc on va utiliser cette propriété. Pour le premier rapport ici, on obtient 3 à la puissance 4,5 moins 3,5. Pour le deuxième, on obtient 2 à la puissance 2,5 moins 3,5. Après le calcul de cette différence, on va trouver 1. Le calcul de cette différence, on va trouver moins 1. Donc on trouve 3 à la puissance 1 fois 2 à la puissance moins 1. Et on sait que a à la puissance moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur a, c'est l'inverse de a. Par suite, on va écrire 2 à la puissance moins 1 sous la forme 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. On obtient 3 fois 1 demi, et 3 fois 1 demi, ça donne 3 demi. Donc la réponse correcte ici, c'est la réponse D, 3 demi.